Bien, eh bien, nous allons débuter cette dernière leçon du cycle interface chimie des matériaux, biologie et médecine. Donc, je vous rappelle que ce cycle reprendra l'année prochaine, bien évidemment avec des leçons et des séminaires qui sont totalement différents, qui viendront complémenter les nombreux aspects que je n'ai pas pu développer cette année. Alors tout d'abord, je vous rappelle, en fait, nous avons fait un certain nombre de leçons sur ce qui concerne, je dirais, l'évaluation, l'imagerie pour la biologie et la médecine. En particulier, nous avons étudié un certain nombre de systèmes qui permettent de diagnostiquer ou de faire de l'analyse et du suivi ou du traitement, en fait, de matériaux biologiques. Vous avez eu un ensemble de cours sur l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Également, vous avez eu des interventions dans le cadre de l'utilisation des rayons X et du synchrotron pour caractériser finalement ou pour traiter fi des tumeurs. Aujourd'hui, en séminaire, vous allez avoir également un séminaire très complémentaire sur l'aspect ondes ultrasonores, donc pour l'imagerie. Je vais terminer cet ensemble de leçons en fait en me focalisant sur l'imagerie, mais l'aspect optique de l'imagerie. Et en particulier, bon là je vous représente en fonction de la longueur d'onde les différentes ondes électromagnétiques que l'on peut utiliser pour tous ces buts. Et le spectre visible, en fait, ce que l'on voit, ce que l'œil peut voir, en fait, se situe dans un domaine finalement, vous voyez, très étroit par rapport à l'ensemble du spectre électromagnétique, typiquement entre 400 nanomètres, le violet, jusqu'à 800-900 nanomètres, le domaine du rouge. Et donc, l'essentiel des matériaux que je vais vous présenter et des exemples que je vais discuter sont des matériaux qui répondent, en fait, dans cette fenêtre caractéristique. Alors, essentiellement, pour des raisons de sensibilité, les techniques qui sont le plus utilisées sont des techniques basées sur la fluorescence et également sur de la plasmonique. Et je reviendrai un petit peu sur les définitions qui correspondent à la plasmonique. Alors tout d'abord, en fait, le point important lorsqu'on fait l'analyse par des modes optiques en biologie ou en médecine, c'est de regarder quelle est la fenêtre de lecture possible. Alors, la fenêtre de lecture possible, quand vous regardez en fait l'absorption des tissus en fonction de la longueur d'onde, bon, vous avez l'absorption des différentes composantes, de l'eau, les différentes formes de l'hémoglobine, la mélanine. Vous voyez qu'il y a une fenêtre de tir là qui est marquée en rose, qui cible exactement le domaine entre 600 et 900 nanomètres. Et c'est pour l'essentiel des travaux et des études, en fait, c'est la fenêtre qui est utilisée finalement pour faire de la lecture. Pour faire de la lecture ou de l'imagerie via de l'optique, parce que c'est la fenêtre où l'absorption des tissus, même si elle n'est pas lue, elle est minimum. Et alors, il y a un deuxième facteur qu'il faut essayer de compenser, et ça peut se compenser, je vais vous montrer quelques exemples, soit en jouant sur les temps de vie des espèces fluorescentes, soit en jouant sur l'aspect matériau, en générant de la fluorescence. Ce qu'on appelle de la fluorescence délayée, c'est-à-dire qu'on va exciter le système avant de l'injecter, et on va faire une lecture pour éviter finalement de passer à travers les tissus et de récupérer l'autofluorescence. Et donc les différents domaines qui sont étudiés grâce finalement aux méthodes basées sur de la fluorescence et sur la plasmonique, je vous les ai indiqués ici, donc c'est localisation subcellulaire de lipides et de protéines ex vivo, des études dynamiques du trafic intracellulaire, de l'immunomarquage, la localisation, détection des tumeurs, études de leur développement, également développement des embryons, des neurones, études bon, un peu plus anciennes de l'aspect repliement des protéines, donc c'est des résultats maintenant qui sont relativement classiques, l'étude du séquençage de l'ADN, l'étude également des interactions moléculaires, et plus récemment, les études en fait sur la dynamique, sur la viscosité membranaire, également les analyses génétiques par hybridation in situ. Alors, comme les méthodes optiques vont être un petit peu la base en fait, de cette leçon, je me permets de vous rappeler finalement quels sont les concepts de base qui permettent
de classer finalement les différentes méthodes optiques. En fait, quand une molécule reçoit une onde électromagnétique de bonne longueur d'onde, en fait, il y a une transition entre les états électroniques fondamentaux et les états excités, et cette transition se fait par absorption de photons. Ensuite, le système relaxe au niveau énergétique, en général via des vibrations, donc finalement en fournissant une certaine chaleur au réseau pour se retrouver dans le premier état excité S1. Et le passage de S1 vers S0, en fait, ces relaxations se font par émission d'un photon. Donc, cette émission-là s'appelle la fluorescence. Vous pouvez avoir également d'autres phénomènes, par exemple des transferts par conversion interne entre cet état singulier S1 et des états triplets. À partir de cet état triplet, vous pouvez avoir à nouveau une émission photonique qui s'appelle la phosphorescence. Vous voyez, il n'y a pas les mêmes multiplicités dans les deux états, donc ce sont des processus pour lesquels les temps de vie vont être beaucoup plus longs. Et donc, il est intéressant en fait de comparer les différents temps de vie, parce que vous voyez, lorsque vous regardez ne serait-ce que le temps de vie de la fluorescence, il faut garder en tête que les colorants vont avoir des temps de vie très courts. Les terres rares vont avoir des temps de vie beaucoup plus longs par rapport aux colorants, ce qui veut dire qu'on va pouvoir trouver des moyens via certaines séquences impulsionnelles ou bien certains modes de détection pour éviter, par exemple, l'autofluorescence des tissus et de quand même réussir à faire une analyse en irradiant les tissus. Donc toute cette partie-là, fluorescence, est utilisée en bioimagerie, en visualisation, localisation, suivi du trafic cellulaire. Les états triplets, on présente également un intérêt dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est que vous pouvez générer, via l'interaction avec de l'oxygène moléculaire, de l'oxygène singulier qui est intéressant, par exemple, pour la thérapie photodynamique, pour, par exemple, traiter des cancers. C'est quelque chose que je traiterai, mais je dirais, dans la prochaine année scolaire. Alors, si l'on regarde maintenant les principaux types de sondes optiques, organiques, minérales, hybrides, il y a quatre grandes catégories de sondes. D'une part, des sondes purement organiques, donc soit des colorants organiques, c'est-à-dire des matériaux où l'essentiel des composantes sont des composantes aromatiques conjuguées. Ce sont des colorants qui ressemblent finalement aux colorants qui servent dans l'industrie textile, évidemment mieux adaptés au contexte biologique, soit des protéines fluorescentes. Alors, performance optique élevée, grande variété. Avec ces milieux organiques, je pense qu'aujourd'hui, on sait à peu près tout faire. C'est-à-dire modifier avec les anticorps, les antigènes, faire du ciblage. C'est-à-dire toute cette chimie organique, elle est commerciale, elle est déjà bien étudiée. Je vous montrerai quelques exemples, mais je vais passer assez vite dessus. Par contre, la limite en fait, des colorants organiques, c'est d'une part le photoblanchiment et d'autre part, lorsque vous utilisez en fait, des systèmes à base de GFP, donc GFP Green Fluorescent Protein, et des mutants, eh bien, ça entraîne des modifications cellulaires et ce sont des systèmes qui sont utilisables in vivo sur l'animal ou in vitro pour des études, mais qui sont difficilement aujourd'hui envisageables pour l'homme. Et donc, c'est surtout, au niveau optique, c'est surtout l'aspect photoblanchiment qui est une des faiblesses de ces systèmes. Et donc, pour compenser ces faiblesses, il existe finalement d'autres types de fluorophores. Alors, donc, il y a une catégorie qui s'appelle les quantum dots. Je vous en parlerai. Ce sont des composés à base de dérivés soufrés ou du sélénium de métaux divalents qui ont, eux, des performances optiques très élevées, qui ont des grandes variétés de longueurs d'onde d'émission, qui sont photostables avec des bandes d'émission étroites, des forts déplacements de stock, vous verrez ce que c'est. Et donc, il y a un certain nombre d'avantages à utiliser ces systèmes au niveau de la réponse optique intrinsèque par rapport à des sondes, je dirais, organiques habituelles. Par contre, il y a deux limites importantes. Une, c'est la cytotoxicité, parce qu'il y a toujours du cadmium, du sélénium, même si on met des coquilles de protection, ça reste quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et également, ces systèmes photoclignotent, c'est-à-dire qu'en fait, la fluorescence peut être intermittente. Et aujourd'hui, il y a des tas de groupes qui travaillent justement à sculpter ces nanoparticules à l'atome près pour éviter ce photoclignotement, en particulier à l'SPCI. Il y a des équipes qui sont vraiment spécialisées là-dessus, mais ça reste un problème aujourd'hui. Alors ensuite, dans les fluorophores minéraux, alors je vous ai écrit fluorophores minéraux parce qu'en fait, la réponse intrinsèque de la fluorescence, ça va être du minéral, mais j'ai mis hybride parce qu'il faut les compatibiliser avec le milieu,
le milieu biologique, et forcément, ça sera au minimum des systèmes cœur-couronne compatibilisés finalement avec, avec le milieu biologique. Donc, des fluoroformes minéraux de type hybride à base donc, d'oxydes de terre rare, donc des lanthanides, ou des oxydes dopés par des lanthanides, qui eux présentent des performances élevées. Également une grande variété de longueurs d'onde d'émission. Ils sont photostables, des bandes d'émission étroites, donc un certain nombre de propriétés intéressantes qui se rapprochent finalement de celles des quantum dots, même si au niveau rendement énergétique, ça reste toujours moins bon. Par contre, ce sont des systèmes qui sont non photoclignotants. On peut trouver des oxydes qui ne sont pas cytotoxiques. Et également, en fait, en combinant, je vous montrerai un exemple, en jouant sur les niveaux de piège, on peut arriver à créer un phénomène qui s'appelle la fluorescence retardée, qui est très intéressante en tous les cas pour le diagnostic. Évidemment, fonctionnalisation nécessaire, puisqu'à la base, la matière qui répond au niveau de l'optique, c'est dans un premier temps essentiellement du minéral, et il faut le compatibiliser. Dernier système, donc tous les éléments à base de nanoparticules d'or ou d'argent, mais essentiellement de l'or. Et en particulier, il y a des réponses plasmoniques, mais je vous montrerai également qu'il y a des réponses en fluorescence assez récentes, en fait assez intéressantes, qui sont particulièrement remarquables. Donc on va regarder très rapidement les différentes familles de chromophores et leur utilisation dans un certain nombre d'exemples. Alors donc d'abord les colorants organiques, donc je vous rappelle tout ce qui dérive en fait de la green fluorescent protein, donc il y a eu un prix Nobel sur ce sujet, ça vous le savez. Donc en particulier il y a énormément de variants de la GFP qui permettent d'ajuster pratiquement tout le spectre électromagnétique dans la gamme du visible d'une part, sinon il y a des colorants plus classiques comme ces colorants aromatiques type DAPI, le Texas Red, qui sont modifiés finalement pour cibler de façon très très précise certains endroits du milieu cellulaire. Et donc vous allez voir que les réponses sont assez remarquables. Bon, ça c'était simplement pour vous faire voir l'aspect green fluorescence protéine. On peut évidemment avec des mutants obtenir des animaux de toutes les couleurs, mais ce n'est pas le but, c'était simplement une illustration, ce n'est pas ça le plus intéressant. Mais vous voyez dans cet exemple, ce sont une image de spectroscopie à deux photons d'un neurone vivant marqué par de la GFP. Ici, vous avez des fibroblastes de cerf. Le marquage de la partie cytosquelette se fait en bleu avec un colorant, hein, je ne vous donne pas les noms, mais vous voyez. On peut également faire un marquage très propre en vert de la partie mitochondrie, vous voyez les fibres en vert. Et ensuite, le marquage du noyau se fait par un intercalant de l'ADN, le topro 3, vous voyez. Donc, ça permet vraiment d'aller cibler de façon très propre, en fait, différentes composantes du milieu biologique. Ça, c'est un exemple de spermatozoïdes et d'ovocytes bovins. Et donc, le marquage du noyau se fait avec un intercalant de l'ADN, le DAPI, c'est la molécule que je vous ai montrée précédemment, qui est bleue. La partie mitochondrie est marquée en jaune. Et la partie microtubule est marquée avec un colorant en rouge. Et pour terminer, vous voyez une coupe d'intestin de raton. Où cette fois-ci, eh bien, la partie noyau, les parties ADN sont marquées avec un colorant bleu et les parties actine sur la périphérie sont marquées avec des colorants violets. Donc aujourd'hui, je dirais que ce marquage ne pose plus de problème. C'est quelque chose qui est fait de façon courante. Il y a déjà énormément même d'industriels qui vendent en fait à la fois les éléments pour le ciblage, etc., etc. Alors voilà un autre exemple de suivi en temps réel par la fluorescence de l'évolution d'un gliome implanté, en fait, c'est un gliome humain implanté dans le cerveau d'une souris. Donc vous voyez, on a une bonne lecture malgré la fluorescence des tissus qu'on commence un petit peu à voir à certains endroits. On a une très très bonne lecture finalement de l'évolution de cette tumeur. Et ça, c'est le dernier exemple que je voulais vous montrer en ce qui concerne les colorants, je dirais, d'issue biologique ou organique. Donc c'est un cocktail à trois anticorps fonctionnalisés qui cible spécifiquement, qu'on injecte en même temps et qui cible spécifiquement trois types de tumeurs. Hein. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez très clairement qu'en en fait, il y a un adressage qui est quasiment parfait de la tumeur et de la coloration. Bon, ça, c'est, je dirais, ça devient de la routine maintenant. C'est le genre de choses qui se fait de façon routinière dans les laboratoires de biologie. Alors, je vous ai dit que l'une des limites, en fait, de ces colorants organiques, la limite principale, c'était d'une part le photoblanchiment. Alors, bon, dans ce cadre-là, il y a eu pas mal de développement.
en particulier de matériaux minéraux qui puissent avoir des propriétés d'émission intéressantes. Et donc les quantum dots, donc qui sont des nanocristaux de semi-conducteurs, bon, vous voyez les formulations, essentiellement les plus classiques, ce sont ceux que j'ai mentionné en bleu ou bleu foncé, donc du sulfure de calcium, sélénure de cadmium, bon, qui sont forcément des composés toxiques et en général ils sont utilisés à l'échelle nanométrique, comme vous le voyez sur ce cliché de microscopie électronique. Donc on sait faire des très petites particules de quelques nanomètres à la dizaine de nanomètres avec un très bon contrôle de la taille et de la dispersité. Mais malgré tout, ces matériaux doivent être présentés, utilisés, pardon, on doit les protéger par des coquilles et les fonctionnaliser. Et il y a toujours le problème de la toxicité. Et donc les propriétés optiques de ces matériaux bien, sont dues justement à leur petite taille, c'est ce qu'on appelle le phénomène de confinement quantique. Hein. Lorsque vous mettez des électrons dans une petite boîte, ça c'est un problème qu'on a tous eu à un moment ou à un autre dans un examen, et bien les bandes d'énergie qui dans le solide sont des bandes, donc des recouvrements orbitalaires, commencent à devenir discrète et en particulier, au fur et à mesure que vous vous éloignez du solide au niveau de la taille, ce que vous avez, c'est que vous avez non seulement des niveaux discrets, mais également un écart d'énergie entre la dernière orbitale occupée et la première orbitale libre qui augmente. Hein, donc ça, ce sont des choses assez classiques. Et donc la réponse optique va être variable en fonction finalement de la taille de la nanoparticule. Et bien évidemment, on ne souhaite pas avoir des distributions de taille. On veut à chaque fois cibler une taille bien particulière. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les chimistes savent, dans ces matériaux-là, cibler relativement bien proprement les distributions de taille. Alors voilà ce que ça donne au niveau donc, des propriétés optiques. Hein. Donc ce sont des propriétés optiques absolument extraordinaires. Vous voyez, de l'absorption avec toute une série de luminescences qui vont dépendre de la taille, mais avec des pics de luminescence très forts en intensité et très fins. Donc on va très bien pouvoir cibler différents types de réponses et différents types de longueurs d'onde. C'est ce que vous voyez ici en bas sur sur cette photo où on voit finalement la qualité et la force en fait de la luminescence associée à ces quantum dots. Et donc ce sont en fait l'avantage, c'est ce que je vous disais, c'est que ces systèmes ont des spectres d'émission relativement étroits. Donc les longueurs d'onde sont facilement ajustables pratiquement du domaine ultraviolet jusqu'au domaine infrarouge et cet ajustement va se faire pour l'essentiel, bon, évidemment avec la composition, mais également avec la taille et également avec la coque que vous allez pouvoir positionner, je dirais, autour de la nanoparticule. Rendement quantique élevé, forte réponse optique et large déplacement de stock. Le déplacement de stock, c'est l'écart finalement entre la position de la bande d'absorption et de la bande d'émission. En fait, ça correspond également à l'écart entre les niveaux d'énergie S. Et premier niveau excité, deuxième niveau, et ça traduit également, bon, finalement, ça va traduire les efficacités de ces systèmes au niveau optique, mais également leur possibilité à délivrer finalement via les vibrations de la chaleur au système. Alors je vous disais que l'un des points qui limitait les colorants organiques était l'aspect photodégradation. Et donc, sur ce transparent, ce que vous voyez, c'est un système mixte, où il y a à la fois des quantum dots qui ont été marqués d'une certaine couleur et des parties organiques qui ont été marquées avec un colorant organique. Alors dans la slide du haut, en fait, ce que vous voyez, c'est que les microtubules ont été marqués en vert, donc avec un colorant organique, et la partie centrale, le noyau, a été. En fait, la coloration provient d'une quantum dot qui émet dans le rouge. Et vous voyez, ce sont des tests de photostabilité sous illumination continue. Globalement, en 60 secondes, vous avez complètement photoblanchi le colorant organique, qui est l'un des colorants organiques les plus stables. Ce n'est pas n'importe quel colorant. Alors, on peut faire la manip inverse pour être sûr qu'on double quelque part l'expérience. Dans ce cas-là, le noyau va être coloré par le même colorant bon, qui a été modifié pour cibler le noyau, et l'extérieur va être coloré par des quantum dots. Et vous voyez également, très rapidement, bon, au bout de 2 minutes, eh bien, vous avez complètement gommé par photoblanchiment le colorant organique. Donc, si on fait un peu le bilan sur ces quantum dots, au niveau purement optique,
100 fois plus stable que les colorants, sans aucun problème, que les meilleurs colorants, 20 fois plus de brillance que la rhodamine 6G, qui est un colorant classique, bien utilisé, qui a un rendement quantique très conséquent. Et ils permettent, bon, bien entendu, de faire des images multiplexées à coloration multiple, parce que c'est ce que je vous ai montré. Vous avez tout le spectre de coloration avec des bandes d'émission très fines, très intenses et très bien définies. Alors, les problèmes de ces systèmes-là, c'est d'une part le clignotement, donc, c'est ce que j'insiste, l'aspect cytotoxicité, et le fait que vous êtes obligé de faire une modification de chimie de surface qui est souvent un petit peu plus complexe que sur des oxydes ou que sur des particules d'or, parce que là, je dirais, il y a eu de la chimie qui a été développée sur une trentaine d'années et qu'en utilisant des composés organiques à base de thiol ou bien des organocylanes, sur tout ce qui est oxyde, en fait, ça devient quelque chose de classique. Et là, c'est un petit peu moins classique. Donc, on retrouve ces matériaux essentiellement sur des études in vitro ou in vivo chez l'animal. Mais au niveau de la réponse intrinsèque au niveau de la luminescence, ce sont des matériaux qui sont extraordinaires. Alors, voyez donc par exemple un système de cellulaire qui a été ciblé avec différents quantum dots. Ici, en bleu, en fait, ce sont des quantum dots qui émettent dans le vert, dans le bleu, pardon. Ici, vous avez la partie protéine qui a été ciblée avec des quantum dots dans le rose, dans le magenta. Puis les mitochondries en jaune-orange. Puis les filaments d'actine en rouge. Donc vous voyez, vous arrivez vraiment à cibler de façon très très propre, au moins aussi bien, je dirais, qu'avec les colorants, mais avec des réponses intrinsèques qui sont énormes. Donc pour finir, les microtubules en vert. Donc vraiment, on arrive à faire un petit peu du travail d'artiste, je dirais. Alors voyez un exemple qui vous montre vraiment les contrastes, ce que l'on peut obtenir au niveau des réponses avec ces luminophores. En fait, ça, c'est un suivi de ganglions lymphatiques et du trafic de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques. Et chaque ganglion a été finalement ciblé avec une quantum dot fonctionnalisée de façon ad hoc. Hein. Et donc, vous voyez que bon, vous avez une image d'une qualité tout à fait remarquable. Alors bon, malgré tout, même si ces systèmes sont intéressants, il y a quand même des étapes limitantes importantes. Et donc, il faut essayer de rechercher d'autres systèmes. Et ça va être sur ces systèmes-là que je vais centrer la deuxième partie de mon exposé. Ah non, là, j'ai oublié de... Oui, j'avais un exemple, je suis désolé. J'avais un exemple à nouveau avec des quantum dots qui sont utilisés comme des capteurs ADN. J'ai peut-être été un peu vite. En fait, ce que l'on peut faire, vous voyez, c'est fonctionnaliser un brin émetteur avec un colorant type carbocyanine, c'est ce que vous avez en haut, un deuxième brin complémentaire d'ADN avec de la biotine. Dans un premier temps, eh bien, vous avez un brin d'ADN qui va être la cible. Donc, par des interactions supramoléculaires, par des interactions supramoléculaires, vous allez former des sandwichs hybrides, alors dans lesquels vous allez avoir en fait le colorant positionné en haut et la partie biotine, qui est la partie qui va venir complexer finalement le brin complémentaire. Ensuite, eh bien, vous utilisez une quantum dot donnée, qui est fonctionnalisée elle-même avec des fonctions avidines, qui sont les parties complémentaires de la fonction biotine. Et donc, ça vous permet de concentrer un certain nombre de molécules colorées sur un objet, alors que, j'irais d'elle-même, ces carbocyanines n'auraient pas une fluorescence suffisante. Et donc, l'objet que vous allez fabriquer, cet objet-là, via en fait l'utilisation de la quantum dot comme réceptacle, et puis via des couplages biotine, avidine, biotine, vous allez coupler finalement vos colorants. Et le mode de détection va se faire via ce qu'on appelle la fluorescence venance energy transfer, donc c'est-à-dire les mécanismes de Foster. C'est-à-dire que vous pouvez transférer de l'énergie entre un système donneur et un système accepteur, à condition évidemment que le niveau d'énergie se trouve au bon niveau.
bien positionné. Dans ce cas-là, en fait, le système donneur va être la quantum dot et le système accepteur va être la molécule de colorant qui se trouve finalement concentrée sur la surface de cette nanoparticule. Donc, pour une excitation donnée 488 nanomètres, vous allez bien entendu avoir l'émission en vert de la quantum dot, mais vous allez avoir un transfert d'énergie qui va être possible puisque vous avez localisé finalement vos colorants à des distances qui sont proches puisqu'ils sont greffés sur la surface. Je vous rappelle que les énergies, les transferts de type fret, en fait, sont très dépendants de la distance. Globalement, il faut que les distances soient inférieures à 5 nanomètres puisque ce sont des lois en 1 sur la distance à la puissance 6. Et donc ici, le capteur, voici les réponses du capteur. Vous avez les sensibilités à gauche en fonction de la concentration en cible d'ADN. Et vous voyez qu'on arrive dans des régimes qui commencent à être assez intéressants. Je vous montrerai des cas peut-être plus intéressants dans le régime typiquement fantomolaire. Donc voyez ce que ça donne au niveau des réponses. À gauche, vous avez le système avec de l'ADN et la référence sans ADN à droite. Donc évidemment, les quantum dots dans les deux cas émettent. Par contre, l'émission de la carbocyanine n'a lieu que justement lorsque le système est accroché à la quantum dot et lorsque le transfert par fret peut avoir lieu. C'est ce que vous voyez en rouge à gauche, vous ne voyez rien à droite. Et lorsque vous superposez les deux images, vous voyez bien entendu des points verts, mais également des points rouges et des points orangés superposés, en fait, qui correspondent finalement à cette superposition des deux émissions que l'on voit peut-être mieux sur cette... sur ce transparent. Donc voilà, en ce qui concerne les quantum dots, cette fois-ci, je vais vraiment arrêter sur là. Donc je vous disais que les étapes limitantes, c'était le fait qu'elles clignotaient, également l'aspect toxique. Alors donc, il y a des matériaux qui sont étudiés par différents groupes en Europe et en France, qui sont des matériaux à base, donc ce sont des oxydes ou des phosphates, à base de terres rares qui ont l'avantage donc d'être facilement synthétisables par des voies de chimie douce aqueuses. Donc on peut obtenir différents types de phosphates avec, vous voyez, des rendements quantiques d'émission qui sont très très marqués, très forts. Ce que vous voyez à droite, c'est l'exposition sous UV de différents phosphates de lanthane dopés avec des centres lumineux forts. Quand je dis dopés, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Et vous voyez que la réponse est bien marquée. Également, bien entendu, on peut ne pas utiliser des phosphates, mais utiliser simplement des oxydes. Donc ça, c'est un luminophore bien classique, je dirais, en tous les cas à l'échelle massive, mais qui peut se faire également à l'échelle nanométrique à base de YVO4 dopé europium. Bien entendu, eh bien, il faut les fonctionnaliser avec un certain nombre de fonctions organiques, de ligandes, en fonction finalement de leur utilisation. Mais à nouveau, ce que vous voyez sur cette transparence, c'est le contraste, en fait, sans éclairement et sous éclairement UV, donc des rendements quantiques et un contraste très fortement marqué. Alors, je voudrais simplement vous montrer un exemple avec ces matériaux. C'est une étude qui était ciblée sur certains neurotoxiques. Donc des toxines, vous voyez, avec ce genre de formulation, qui sont des neurotoxiques, par exemple, qui sont libérés par des poissons, type le poisson, le fugu japonais. Et donc vous savez que ce type de neurotoxines entraîne finalement une mort par arrêt cardiaque dans des temps assez raisonnables, je dirais. Et donc, il y a un certain nombre d'études qui essayent de comprendre finalement pourquoi finalement ces toxines arrivent à bloquer les systèmes de fibrillation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces toxines, vous voyez ici au niveau de la formulation, vous voyez, il y a des groupements qui ressemblent en fait à des guanidines. Et ce qui semblerait, une des hypothèses qui est énoncé, c'est que finalement, ces fonctions guanidines viennent se coller au niveau de l'entrée des canaux sodiques. Et donc bloquent totalement, finalement, le système de distribution sodique de l'organisme. Et c'est de façon très, très efficace. Alors, il y a une étude qui a été faite par nos collègues de l'École Polytechnique, le groupe de Jean-Pierre Boileau et de Thierry Gacoin. C'était la thèse de Dimitri Gium, je crois. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'utiliser des modèles
de nanoparticules à base d'europium avec un centre luminescent pour justement identifier le positionnement de ces canaux sodiques à une échelle, je dirais, très petite et étudier finalement le trafficking de ces systèmes. En particulier, donc, au niveau chimique, eh bien, on fait un luminophore nano, on le recouvre par une petite couche de silice et on fonctionnalise l'extérieur de cette couche de silice par des fonctions guanidine. Et on regarde un petit peu, par exemple, dans un premier temps, comment ça se positionne. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une étude sur les fibres musculaires de cellules cardiaques de grenouilles vivantes. Et alors là, c'est ce que je vous disais au début dans l'exposé. Vous irradiez, vous êtes absolument aveuglé, très gêné par l'autofluorescence des tissus. Vous ne voyez rien, en fait, vous voyez la réponse des tissus. Par contre, maintenant que vous avez des terres rares comme l'immunophore, avec des temps de vie qui sont plus longs que les chromophores organiques, si vous jouez finalement par des séquences en détection synchrone et des séquences impulsionnelles, vous allez pouvoir gommer la réponse des tissus et récupérer finalement la réponse associée aux terres rares. Et c'est ce que vous voyez ici sur la figure de droite, où vous voyez très bien où sont ponctuées finalement l'entrée des canaux sodiques, très bien ponctuées avec justement ces nanoparticules d'europium qui émettent et vous avez caché la réponse autofluorescente des tissus. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on peut déjà cibler, vous voyez, à une échelle qui est l'échelle de... Bon, au niveau de la particule, c'est 30-40 nanomètres. Au niveau de la détection optique, c'est quelques microns. Mais finement, vous allez voir le positionnement de ces particules et vous allez pouvoir, à partir de ce modèle, commencer à réfléchir et à élaborer un certain nombre d'études. Le deuxième point où je vous ai dit il y a une gêne quand même à utiliser, à irradier directement les tissus pour faire une lecture, c'est à nouveau le problème de l'autofluorescence. Alors, il y a des recherches qui ont été entreprises. Bon, ça, ce sont des recherches qui ont été faites dans le laboratoire en collaboration avec les gens de l'ENSCP et avec Daniel Sherman à Paris 5, d'essayer de concevoir des sondes fluorescentes qui pourraient être exprès excitées, qui continueraient à fluorescer, que l'on pourrait injecter. Et ensuite, donc, on ferait une lecture sans exciter le matériau lui-même en direct. Et donc, on évite de ce fait l'autofluorescence des tissus. Donc, au niveau de la chimie, ce sont des phases du type, silicate de magnésium, bon, qui sont des phases assez versatiles au niveau des substitutions possibles. Donc, je vous fais grâce de la composition chimique. Hein. Silicate de magnésium, ce qui est important, vous voyez, c'est qu'on arrive à substituer certains sites avec du manganèse 2, qui va être l'émetteur dans le cas présent, et puis avec d'autres terres rares qui vont servir de piège. Et donc, en fait, c'est cette combinaison entre des centres qui vont servir à piéger, finalement, les premiers électrons formés et un centre émetteur qui va être intéressant. Puisque ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on a, au niveau énergétique, on piège, finalement, les porteurs dans ces pièges à base d'europium ou de dysprosium. Et ensuite, le dépiégeage est thermiquement stimulé. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau émetteur du manganèse est alimenté par voie thermique. Et donc tout ça, ça se fait dans un certain temps, un temps qui peut durer de la dizaine de minutes à 2 heures. Et donc pendant 2 heures, eh bien, le manganèse va continuer à émettre de la fluorescence. Alors qu'est-ce que ça donne? Et donc ça donne des systèmes fluorescents qu'on peut exciter, qui fluorescent pendant 1 voire 2 heures, et que l'on peut préinjecter. Alors bon, évidemment, la préinjection, eh bien, elle va, et le parcours dans le milieu sanguin de ces nanoparticules va forcément dépendre du type de fonctionnalité que l'on va mettre sur la surface. Ça, c'est ce que je vous ai largement illustré la dernière fois. Donc on excite le système avec une lampe, le système commence à émettre, émettre de la luminescence, et on injecte. Donc on n'a pas à injecter dans un deuxième temps. Et voilà ce qui se passe. Donc, en fonction de la fonctionnalité de la surface, eh bien, vous allez pouvoir cibler des régions particulières en fait, dans l'organisme. Par exemple, avec des fonctions ammonium, elles vont être très vite bloquées par les capillarités finalement, des poumons, puisque c'est les premiers organes de très forte capillarité qui sont rencontrés lorsque l'injection se fait via la veine de la queue du rat.
Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que vous allez très rapidement cibler les poumons. Lorsque vous allez modifier ces fonctions pour des fonctions ioniques, mais négatives cette fois-ci, eh bien, elles vont être essentiellement récupérées par les macrophages et vous allez essentiellement imager le foie et la rate. Et lorsque vous allez fonctionnaliser ces nanoparticules avec des macromolécules du type polyéthylène glycol, donc des systèmes hydrophiles classiques, hein, qui ont été énormément... Et à ce moment-là, ben, vous allez augmenter finalement le temps en fait, de circulation, c'est-à-dire que l'opsonisation, c'est-à-dire la capture par les défenses immunitaires de l'organisme, va être fortement ralentie. Alors c'est ce qu'on voit ici. Ici à gauche, vous allez voir un système fonctionnalisé avec des carboxylates. Donc l'essentiel, dans des temps très très courts, ce tout rouve fonctionnalisé au niveau du foie et de la rate. Ici, c'est avec des fonctions ammonium. Donc ce sont les réseaux capillaires des bronches, qui sont des poumons qui récupèrent tout de suite en fait, les milieux nanoparticulaires. Et donc ça, ce sont des images que vous avez après excitation et injection. Et ici, avec des systèmes de nanoparticules qui ont été protégés par du polyéthylène glycol. Alors, vous pouvez encore augmenter le temps de circulation dans l'organisme si vous bluffez un peu l'organisme en injectant, par exemple, un certain nombre de liposomes négatifs qui vont occuper le système de défense pendant que... Et celui-ci, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir un peu plus de temps pour faire des images sur des temps plus longs. Alors aujourd'hui, où on en est, parce que vous voyez ce papier, c'est un papier de 2007, aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes qui viennent d'être publiés, je pense qu'il y a 8 jours, et je n'ai pas eu le temps de les mentionner, à base de galates de zinc, qui sont assez intéressants parce que non seulement ils permettent d'être préexcités dans un premier temps, pour obtenir des résultats sur plusieurs heures d'une réponse luminescente, mais également, on peut les réexciter dans un deuxième temps, dans la bonne fenêtre, en minimisant justement les aspects de fluorescence, et ce sont des systèmes qui peuvent fonctionner sur plusieurs jours. Donc là, ça devient, au niveau de l'imagerie et du suivi, ça devient des choses qui sont très très intéressantes. Voilà, j'en arrive dans la toute dernière partie de mon exposé. Donc la quatrième famille, je dirais, de systèmes qui servent en fait pour l'imagerie biologique ou médicale. Donc ce sont des systèmes qui sont à base de nanoparticules de métaux et en particulier de nobles, bien sûr, et donc en particulier des nanoparticules d'or. Bon, donc là, c'est ce qu'on appelle tous les développements de la plasmonique. Donc c'est une nanotechnologie qui est très ancienne. Hein. Donc ça, ce sont les fameuses coupes de Lycurgus qui donnent en fait des colorations rouges ou vertes selon le type d'éclairage, en fait, selon comment on excite le système nanoparticulaire. Hein, si la lumière est transmise, en fait, ce que l'on voit, c'est une coupe qui est rouge, et si la lumière est réfléchie, eh bien, on voit une coupe qui est verte. Mais ça a été utilisé bien au-delà, bien que les fameuses coupes de Lycurgus, si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit qu'ils étaient quand même, ils ont été quand même devancés de quelques années, je dirais, par les Assyriens, puisque ce sont des recettes qui se basent essentiellement sur l'alchimie assyrienne. Également, donc, ces systèmes plasmoniques à base de nanoparticules d'or ont été utilisés, vous voyez, dans les verres, dans les vases, le rose War Cranberry, des gobelets qui ont été trouvés du 19e siècle, qui sont dans le musée de Potsdam ou bien dans le verre Baccarat. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Alors, l'effet plasmon... Finalement, cette coloration, elle est due à quoi ? Elle est due, bon, lorsque vous avez des petites particules métalliques, en particulier de l'or ou de l'argent, qui sont soumises à un champ électromagnétique, dont la longueur d'onde est grande par rapport à la taille de la particule, ce qui se passe, c'est que vous avez une oscillation collective des électrons de la bande de conduction, donc vous avez une polarisation du système qui bat en fait à une certaine fréquence, et quand la fréquence d'oscillation correspond finalement à la longueur d'onde de l'excitation, à la longueur d'onde, et bien à ce moment-là, vous avez un phénomène de résonance qu'on appelle la résonance plasmon. Et pour certains métaux comme l'or ou l'argent, et bien cette résonance se trouve dans le domaine visible, typiquement aux alentours du rouge. Et donc ça peut être utilisé comme sonde. Alors ce qui est intéressant, c'est que la longueur d'onde
de la résonance plasmon va dépendre de la taille des objets, bien entendu, de la forme des objets, du milieu, de la nature du milieu, c'est-à-dire de la solvatation du milieu, mais également si le milieu, si vous modifiez les constantes électriques du milieu, vous allez avoir des grandes variations, et également de l'état d'agrégation. Donc ce sont des systèmes qui donnent une réponse intense dans une partie qui est facilement visible, vers le rouge, je dirais rouge-bleu, vous allez voir les couleurs, avec une dépendance en fonction de taille, forme, milieu, état d'agrégation. Donc ce sont des sondes, je dirais, idéales pour sonder justement les milieux biologiques. Alors vous voyez ce que vous avez ici, c'est l'état d'agrégation, la variation de la couleur en fonction de l'état d'agrégation. Ici, vous avez la variation de la couleur, donc du pic d'absorption, en fonction de l'indice du milieu, de l'air, de l'eau ou de la silice. Ici, des variations en fonction de la forme. Hein. Donc, ce sont, et en haut, là, ce sont des variations en fonction de la taille. Et en particulier, on se décale vers les grandes longueurs d'onde lorsque la taille augmente. Donc, en fait, des sondes malléables, versatiles et qui dépendent énormément des sollicitations physico-chimiques que l'on peut leur apporter. Alors bon, elles sont utilisées à quoi? Bon, elles sont utilisées dans énormément, et ça c'est commercial, dans de nombreux tests immunologiques, où vous allez finalement utiliser par exemple un premier support de microbilles, soit des billes de latex, soit des billes magnétiques si vous voulez les séparer. Vous allez jouer sur des systèmes de reconnaissance entre les protéines et les facteurs à tester. Vous allez accrocher les particules, ensuite les séparer, faire des réactions biologiques pour séparer les brins et puis pour avoir des lecteurs optiques. Et ça, il y a déjà ces travaux-là. Vous voyez, les premiers travaux datent des années 90. Et aujourd'hui, commercialement, il y a déjà des tas de systèmes. Alors, il y a un système qui est assez classique et assez simple, c'est le test de grossesse, où globalement, vous avez des anticorps portés en fait, par les nanoparticules, les hormones de grossesse qui ont été fixées sur des billes de latex, qui vont être facilement isolables par filtration. Et donc, quand il y a une reconnaissance, bien la particule d'or qui est colorée vient se coller sur la bille de latex. Ensuite, vous filtrez, comme les billes sont grosses, elles restent sur le filtre et vous observez la coloration. Donc, c'est trivial, mais en fait, c'est toujours basé sur ce genre de système de reconnaissance qui peuvent être plus ou moins compliqués, mais c'est toujours un petit peu le même concept. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est trois exemples. Oui, j'ai le temps. Trois exemples qui concernent l'utilisation de ces nanoparticules d'or. Alors d'une part, au niveau des particules d'or, on peut, ce que je vous disais, on peut en faire varier la taille, la forme, et également, vous voyez, on peut arriver à faire ce qu'on appelle des nanocages. Et donc ça, ce sont des exemples que je vous avais déjà présentés dans un cours les années précédentes. Et donc ça, ce sont des exemples très intéressants parce que dans ce cas-là, les nanoparticules d'or, les nanocages peuvent être utilisés comme agents de contraste en tomographie par photoacoustique. Et ce que vous voyez ici, c'est un cortex cérébral de rat qui a été imagé. Donc ça, c'est le blanc. Ça, c'est le système imagé en présence des nanocages d'or. Et ça, c'est l'image différence. Hein. Et donc, ce sont des systèmes qui peuvent augmenter le contraste dans ces techniques de type photoacoustique. Hein. En particulier, c'est une technique, je vous le rappelle, qui combine l'imagerie optique et ultrasonore. Elle mesure l'onde ultrasonore résultant de l'expansion thermoélastique associée à l'absorption de lumière. Hein, et donc ce sont on vous en saurez sans doute plus dans l'exposé de Mathias Fink qui va suivre. Hein, donc c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter le contraste. Alors, mon second exemple qui va concerner les particules d'or, c'est un exemple assez récent qui a été publié par une collaboration entre Louis Lismarzan et Molly Stevens à l'Imperial College. C'est d'essayer de constituer en fait des sondes, des nanoparticules, dont l'effet augmente quand la cible est moins concentrée. C'est-à-dire, moins ce que je cible, quand je diminue la concentration de ce que je cible, ma réponse est d'autant plus efficace. Alors, c'est basé sur quoi? C'est basé, d'une part, sur des formes un peu particulières, des formes de nanoparticules d'or qui ont des formes en forme d'étoile. Hein. Et donc, ce sont des systèmes qui ont été étudiés précédemment et qui sont connus pour localiser les modes plasmon de faible énergie sur les pointes. Et en particulier, elles sont très très sensibles à la formation d'un alliage or-argent sur les pointes. C'est-à-dire que lorsque vous déposez un petit peu d'argent sur ces pointes,
le milieu d'électrique change de façon énorme et vous avez un très fort déplacement, en fait, de la bande placement vers le bleu. Alors, le système, voilà comment ça marche. En fait, il y a une étude préliminaire qui a été faite en utilisant de la glucose oxydase. Hein, donc c'est une enzyme qui utilise du glucose, qui, via les réactions d'oxydoréduction sur les sites flavines, transforme ensuite, dans un deuxième cycle, l'oxygène en eau oxygénée. Donc vous voyez, vous avez une réaction d'oxydoréduction chimique assez simple qui vous permet de transformer un sel d'argent en argent métallique. Mais si vous jouez maintenant sur la quantité de glucose oxydase, ça va être un peu le robinet de cette réaction. Hein? Et donc, en fonction de la quantité de glucose oxydase, vous allez former plus ou moins facilement des ions argent métallique en solution. Et donc, vous allez avoir deux options. Soit vous formez énormément d'argent et vous allez nucléer, en fait, des nanocristaux d'argent dans la solution. Vous allez avoir une nucléation hétérogène. Et en ce moment-là, vous allez minimiser le dépôt de l'argent sur la surface. C'est-à-dire quand vous avez beaucoup de glucose oxydase, mais là, vous êtes perdant. Par contre, justement, lorsque vous allez vers des concentrations faibles en glucose oxydase, eh bien, à ce moment-là, vous favorisez finalement la nucléation sur la surface, la nucléation hétérogène. Et donc, en fait, c'est un système qui va à l'envers de la concentration. Et donc, ça, j'ai trouvé que cet exemple était particulièrement astucieux. Donc, en fait, ce qu'il faut régler, c'est clairement pour les chimistes, hein, la compétition entre une nucléation homogène et une nucléation hétérogène bien ciblée, épitaxiée sur les petites étoiles d'or. Et ça, c'est fortement dépendant, finalement, de la concentration en glucose oxydase. Alors, ce que vous voyez sur cette figure, c'est justement une expérience dans laquelle on a bien réglé le système. Vous voyez, vous avez la forme en anneau étoile d'or et vous avez les points d'argent qui sont venus se déposer. C'est une microscopie électronique en transmission et à balayage avec analyse sur l'or en rouge et l'argent en vert. Et ici, ce que vous avez, c'est la réponse le déplacement du pic d'absorption en fonction de la concentration de glucose oxydase. Donc ça, c'est le point de départ. Et à 10-14, c'est pas grand-chose. Et à 10-20, vous continuez à avoir un shift de façon très très claire. Et c'est ce que vous voyez sur cette courbe, en fait. Vous voyez le déplacement en fonction de la concentration en glucose oxydase. Et on a une lecture qui est encore possible à des concentrations de l'ordre de 10-20. 10-20, c'est assez remarquable. Hein, ce sont des concentrations très petites. Alors, bien entendu, ensuite, eh bien, quand on veut faire le vrai capteur biologique, bon, eh bien, il faut rajouter un petit peu de biologie. Donc, les nano-étoiles sont modifiées par des anticorps polyclonaux ciblant les PSA dans l'exemple donné. Hein. Donc ces nano-étoiles, ensuite modifiées avec ces anticorps polyclonaux, capturent des biomarqueurs du cancer qui, à leur tour, détectent des anticorps monoclonaux et qui sont étiquetés par des anticorps secondaires liés à la glucose oxydase. Et c'est à nouveau la concentration en glucose oxydase qui va permettre de très bien détecter les tout premiers stades de formation de ces PSA. Et donc là, c'est ce que vous avez. Vous avez un test en milieu biologique où vous avez le déplacement de la longueur d'onde en fonction de la concentration en PSA. Et vous voyez, on arrive à une concentration de l'ordre, en milieu réel, hein, 10-18 grammes par millilitre. Donc c'est à nouveau remarquable. C'est deux ordres de grandeur meilleurs, je dirais, par rapport aux capteurs ultrasensibles commercialement utilisés. Je vais arriver à la toute fin de mon exposé. Et là, je vais vous présenter, en fait, un travail récent qui est issu d'une collaboration entre le laboratoire, donc l'équipe, avec Cédric Boissière, Gléna Drisco, l'Imperial College et deux autres unités, qui est en fait là. Vous allez voir, je vous ai dit dans ma dernière leçon, je vous avais dit, ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, ce sont des vecteurs thérapeutiques ou des systèmes, finalement, qui puissent un peu tout faire, mais qui soient simples à réaliser, qui n'utilisent pas finalement une boîte à outils, un arsenal de choses hyper complexes, parce que finalement, si c'est trop compliqué, les chances que ça aboutisse seront d'autant plus faibles. Alors, voilà, donc ce que je vous présente, ce sont des résultats Quantum Rattles hors silice. Hein. Donc la première étape, c'est la synthèse finalement du vecteur lui-même. Alors vous voyez, une synthèse très simple, où on utilise un gabarit, des petites billes de latex, un tensioactif de l'eau et une source, enfin un solvant, l'alcool et l'ammoniac.
On mélange tout ça. Ensuite, ce milieu réactionnel est mélangé avec une source, voyez, de silicium qui, par chimie douce, va décorer la particule, va créer une coquille autour de la particule de latex. Et comme on a des tensions actives, eh bien, cette décoration va être structurée. Alors, voyez ce que ça donne. Ça va donner, dans un premier temps, le latex avec cette couche de silice structurée. Je vais vous montrer que finalement, les pores vont être cylindriques et vont tous se positionner perpendiculairement à la sphère. Et puis, on va, dans un premier temps, enlever le latex qui ne nous sert à rien, soit par lavage, si on a un latex qui n'est pas réticulé, soit par un traitement thermique, dans le cas, je dirais, général des latex. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, d'une part, la synthèse est une synthèse très classique de chimie douce. On obtient des particules, cœur-couronne avec un trou au centre, d'une part, très très bien calibrées, avec des tailles, vous voyez, de l'ordre de 100-150 nanomètres. Et ça, on sait très bien calibrer, ce sont des expériences, je dirais, qui datent. On sait très bien calibrer ce genre d'objet. Alors regardez un peu maintenant, vous avez une partie centrale qui est vide et vous voyez très clairement que les canaux poreux, avec des pores de l'ordre de 2 nanomètres, se positionnent bien perpendiculairement à la partie centrale. Donc je vous l'agrandis un petit peu pour que vous le voyez mieux. On voit, enfin, en particulier sur le bord de l'image, on voit très clairement ces canaux. Donc on va avoir une particule creuse avec un canal central, enfin un trou central qui correspond à l'empreinte du latex, et puis l'accessibilité via des nanopores, des pores de l'ordre de 2 nanomètres. Et c'est ce qu'on va appeler nanorattles, parce que lorsqu'on aura mis dedans, vous allez le voir, des petites particules, eh bien ça va ressembler à un grelot. Et notre postdoc américaine, elle a trouvé que nanorattles était un très bon nom, donc on a gardé le nom nanorattles. Alors comment fait-on? Une fois qu'on a ces vecteurs, nanovecteurs vides, eh bien on utilise un sel d'or 1, des ligantiols, ça c'est assez classique, une étape de réduction avec un borohydrure, et donc on injecte, en fait, on crée à l'intérieur de ces nanoparticules mésoporeuses un ensemble de nanoparticules d'or. Évidemment, la manip à ce niveau-là n'est pas parfaitement propre, puisqu'il y a des nanoparticules à l'intérieur et à l'extérieur. On centrifuge, on lave, on élimine ce qu'il y a dehors, et on se retrouve, vous voyez, avec un système composite dans lequel vous avez cette coquille de silice poreuse, dans lequel vous allez avoir des murs avec des toutes petites particules d'or, et à l'intérieur donc de la piscine centrale, du trou central, des particules d'or beaucoup plus grosses. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ce que vous voyez ici, dans la partie centrale, ce sont déjà des agrégats de nanoparticules d'or. Et ce que vous voyez ici dans les murs, on les distingue, c'est peut-être mieux quand on regarde sur l'écran de l'ordinateur, des toutes petites particules dans les canaux, qui sont des particules dont les tailles, finalement, sont de l'ordre de 2 nanomètres. Et ça correspond, finalement, on le verra après par la réponse spectroscopique, finalement, à des petits clusters. Environ 25 atomes d'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut faire pas mal de choses. Les quantum dots d'or, les toutes petites particules de 2 nanomètres, au niveau de l'évaluation, par particule, il y en a 16 000. Ce sont des systèmes, vous allez le voir, puisqu'elles sont à cette petite taille, qui sont intéressantes parce que elles ont une photoluminescence particulièrement percutante. Également, à ces tailles-là, l'or devient magnétique. La coque de silice mésoporeuse, elle est biodégradable. Elle va permettre, en fait, du relargage contrôlé via la porosité. Elle présente, puisque ce sont des silices colloïdales qui sont éventuellement fonctionnalisables, une bonne stabilité dans le plasma sanguin. La fonctionnalisation est très facile. Et donc, on peut espérer les rendre furtives et éventuellement faire du ciblage avec. Et les nanoparticules d'or au centre, finalement, on s'est aperçu, elles catalysent finalement le taux de charge du médicament. On obtient des taux de charge beaucoup plus conséquents, en fait, en médicament par rapport, en fait, à des particules qui ne contiennent pas les nanoparticules d'or. Au niveau des diamètres, je vous ai dit que c'était parfaitement ajustable, 150 nanomètres. Donc on est dans la bonne fenêtre pour les effets EPR. Et puis également, on n'est pas trop petit pour éviter les aspects de toxicité à long terme. Les aspects de toxicité des silices, c'est un, c'est un,
un cours que je ferai uniquement sur une heure l'année prochaine, enfin une leçon, parce que je vous montrerai qu'il y a silice et silice, il y a toxicité et non-toxicité, et que ce n'est pas si simple, on ne peut pas caser toutes les choses dans la même boîte. Hein. Donc je reviendrai là-dessus. Alors donc ce que je vous disais, c'est que ce travail, vous voyez, c'est un travail en collaboration avec l'équipe du laboratoire dans l'Imperial College London, l'Université College London, et également une équipe à Louisiana State University. C'est pour vous dire ce genre, bon, il y a des tests animaux évidemment derrière, donc forcément, ça ne peut pas être traité à un endroit bien donné, il faut élargir largement les collaborations et l'aspect pluridisciplinaire. Réponse optique de ces objets, des quantum rattles, vous avez bien évidemment le pic placement associé aux nanoparticules qui sont dans la partie, dans le port ou dans la cavité, la grande cavité, mais vous avez très clairement, vous voyez, un spectre d'absorption à 672 nanomètres, hein, qui va donner également lieu à une photoluminescence complètement déplacée, dont les propriétés donc relativement fines, et ce pic correspond finalement à l'absorption justement de toutes petites entités de type cluster AU25. Et au niveau photoluminescence, vous avez une photoluminescence très importante, très marquée de ces petits objets, avec un stop shift qui est très intéressant et en particulier utilisable. Donc ça, c'est au niveau des propriétés. Alors, ce qu'on va pouvoir en faire, vous voyez, on va pouvoir faire de l'imagerie en photoluminescence. Ce stock chip, ça veut dire qu'on va fournir de la chaleur, ça veut dire qu'on va pouvoir également faire de la photoacoustique. Et le fait d'avoir une absorption marquée avec un coefficient d'absorption élevé, eh bien, va pouvoir également nous permettre de faire de la thérapie photothermique. Donc déjà, avec un système ultra simple, on voit qu'on va pouvoir faire différents types d'imagerie, avec quelque chose qui est assez simple finalement. Alors je vous disais qu'à ces petites tailles, l'or à 2 nanomètres devient magnétique, donc il y a un certain nombre de travaux dans la littérature, ce n'est pas un magnétisme habituel du type paramagnétisme, superparamagnétisme, c'est un magnétisme induit finalement, mais vous avez une magnétisation qui est importante à l'ambiante, et en gros, bon, selon les articles, vous trouvez des magnétisations par atome d'or qui se situent entre 0,03 et 0,1 magnéton de bord. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors pour nos systèmes, ce que l'on a trouvé finalement, ça c'est le blanc, donc les particules de silice sans nanoparticules. Avec les nanoparticules, bon, ce sont des mesures qui ont été faites à 2 cas, on a eu un moment magnétique de l'ordre de 6500 magnétons de bord par particule, ce qui n'est pas négligeable, et on a également un moment tout à fait correct à température ambiante. Donc ces particules répondent magnétiquement. Donc ce qui veut dire que si elles répondent magnétiquement, eh bien, on va pouvoir les utiliser comme agents de contraste IRM. C'est ce que je vous ai montré, je dirais, en long, en large et en travers, dans un de mes cours précédents. Alors, également, bien entendu, comme ces systèmes sont fortement poreux, on peut les charger avec un médicament, un anticancéreux classique de type doxorubicine. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que le système de silice, le vecteur vide, sans nanoparticules d'or, on a des taux de charge de l'ordre de 1 à 2%. Dès que l'on charge en présence d'or, il semblerait qu'il y ait un effet catalytique. Aujourd'hui, on n'a pas encore bien compris si c'était l'or ou si c'était les modifications de surface de la silice associées aux ligands qui sont avec l'or, qui changent finalement la composante hydrophile hydrophobe de la silice, qui permettent, vous voyez, d'augmenter des taux de charge colossaux de l'ordre de 20% poids-poids en doxorubicine. Je vous rappelle que ce médicament utilisé en fait comme charge, comme principe actif dans des liposomes, en général, les taux de charge sont de l'ordre de 8%. Donc on est vraiment très clairement au-dessus. Donc ici, vous avez les vitesses de relargage. Et donc, en fait, on relargue le médicament en 12 heures au lieu de 4 heures avec le blanc. Ici, ce sont les tests de cytocompatibilité qui ont été faits sur des cellules cancéreuses du type ELA. À gauche, vous avez un test MTT en fait, qui mesure l'activité métabolique des cellules. En fait, ce que vous mesurez, c'est l'activité d'enzymes de type réductase dans les mitochondries et sur plusieurs jours. Vous avez en blanc ici le standard d'un polymère qui n'est pas cytotoxique. Un polymère, donc c'est du PVC. Un polymère qui, lui, est cytotoxique en noir au bout d'un jour. Et vous voyez que le vecteur de silice en bleu tout seul ou le vecteur portant les particules d'or, eh bien vous avez pratiquement vous avez une viabilité des cellules qui reste proche de 100%. Ensuite, le deuxième test, c'est le test d'ADN qui mesure en fait la prolifération des cellules.
En fait, c'est une façon de quantifier finalement via l'ADN le bon état de marche et de fonctionnement des cellules. Et à nouveau, ce que vous voyez ici, c'est en fonction du temps. Ça, c'est le test avec un polymère neutre, je dirais. Ici, c'est le test avec le polymère qui, en général, donne une réponse négative. Au bout d'une journée, eh bien, les quantum rattles avec de l'or ou sans or sont presque au niveau. Et ensuite, eh bien, on rejoint finalement une production d'ADN qui est tout à fait au niveau en fait, d'un polymère totalement neutre. Donc, à nouveau, sur ces tests-là, les matériaux formés sont intéressants. Maintenant, si on passe à l'imagerie, eh bien, on va pouvoir utiliser la photoluminescence des particules pour les imager et on va pouvoir colorer les parties noyaux ou cytoplasmes avec des colorants organiques tels que ceux dont je vous ai parlé dans la première partie. Et donc ça permet de voir très clairement que les vecteurs qui sont colorés en rouge, hein, ils émettent dans le rouge, sont localisés, vous voyez, dans les régions périnucléaires. Ils ne rentrent pas dans les noyaux. Donc ça, ce sont des images que l'on voit mieux à partir de ce film. C'est un film dans lequel, dans la première étape, on va déconstruire le système en enlevant les composantes une à une, et puis ensuite, on va le reconstruire. Alors, en rouge, vous allez avoir les vecteurs, donc les quantum rattles, en bleu, la partie noyau, et le cytoplasme en vert. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on va enlever par morceaux le système et le reconstruire. D'abord avec la partie noyau en bleu. Dans un deuxième temps, vous allez avoir arrivé les nanoparticules. Et vous voyez bien qu'elles sont à la périphérie. Voilà. Donc ça, c'est le jeu de trois colorants, hein, deux organiques et un quantum rattles. Et là, vous voyez arriver le cytoplasme. Donc vous voyez la localisation. On arrive très bien à déterminer la localisation de ces nanovecteurs juste sur la périphérie du noyau. Alors, d'autres types de propriétés, eh bien, on peut lire... On peut faire une imagerie par luminescence. Ça, ce sont de l'imagerie de tumeurs. Ça, c'est la référence sans nanoparticules d'or et ici avec des nanoparticules d'or. Donc, vous voyez, vous avez une réponse en fluorescence infrarouge qui est très marquée. Vous pouvez également faire de l'imagerie par RMN puisque les particules sont magnétiques. Donc, vous injectez à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez que c'est qu'il y a tout de suite un très fort contraste en T1 près du site d'injection? Bon, on n'a pas été plus loin parce que bon, ça demanderait un ensemble de manips, mais c'est très prometteur. Et clairement, ces systèmes-là vont être des systèmes à contraste IRM particulièrement performants. Alors également, bien entendu, ce que l'on peut faire, c'est de l'imagerie photoacoustique avec ces systèmes. Hein, avant ou après injection, ce que vous voyez en particulier, c'est que d'une part, on gagne en résolution avec des temps de réponse qui sont inférieurs à la seconde. Hein. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la chaleur générée par les quantum rattles, en fait, elles subissent une expansion thermique transitoire qui produit des exultations et ensuite on enregistre, ceci est enregistré sous la forme d'une image photoacoustique. Et donc, ce qu'on voit peut-être plus clairement dans le film suivant, voilà, là vous voyez bien où sont positionnées les nanoparticules. Donc ça, ce sont des images en photoacoustique qui sont faites justement sur des tumeurs, en fait, des modèles de tumeurs. Donc vous voyez, on a une résolution qui est alentour de la centaine de microns, ce qui est pas mal. Et j'en ai pratiquement terminé. Les tests d'efficacité en hyperthermique, je vous ai dit que c'était des vecteurs multitâches qui arrivaient à faire plein de choses. Donc efficacité hyperthermique, avec deux jeux de colorants, vous avez coloré en vert les cellules vivantes et en rouge les cellules mortes. Et en fonction du temps, pour une irradiation continue, vous voyez qu'au bout de 15 minutes, finalement, vous avez l'essentiel des cellules qui ont été éliminées par photothermie. Ici, vous avez les références sous le même temps d'irradiation, 15 minutes, les cellules seules, ou les cellules simplement en présence du vecteur de silice sans les nanoparticules. Donc ce sont bien les nanoparticules qui sont la cause, finalement, de la dégradation de ces cellules cancéreuses. Donc ça, c'est à nouveau de la thérapie photothermique in vivo. Je vais assez vite, donc on visualise très bien. Vous pouvez me faire confiance. Et avec, vous voyez, des temps relativement courts. Et on arrive à traiter, finalement, via des tumeurs de façon conséquente. Hein. Clairement, on a 55% de réduction de la taille de la tumeur, alors qu'avec le système, le blanc, simplement la silice, évidemment, il n'y a aucune variation. Voilà, donc, je vous ai... pendant ces six leçons,
Je vous ai parlé énormément de l'interface biologie, médecine, matériaux. Bien entendu, il y aura des tas d'autres aspects qui seront illustrés l'année prochaine dans un ensemble de 6 autres leçons et de 6 autres séminaires. Mais en regardant, en composant finalement ce cours sur l'aspect optique, j'ai vu quand même de très belles images, de très belles photos. Et bon, ça m'a rappelé, mais vraiment de très loin, mais je me suis dit, oh, il y a peut-être des compositions marrantes à faire. En particulier, je suis très intéressé par certains peintres. Vous voyez, bon, j'ai fait une espèce de composition. Il y a des jolies couleurs, évidemment, il y a du travail, il y a de la composition. Mais quand on regarde finalement les couleurs de systèmes naturels, hein, si on se rapproche des systèmes naturels, bon, ça ne va pas être aussi beau ce que je vais vous montrer, mais on pourrait, parce que la composition, c'est moi qui ai collé simplement les images, mais on pourrait imaginer de faire des choses, et peut-être qu'il y a des développements à faire du côté des artistes ou des gens qui s'intéressent à l'art qui sont dans la salle. Vous voyez ? Ça, ce sont finalement des images colorées de fragments cellulaires, de noyaux, avec différents types de colorants. Bon, je les ai simplement collés sur la toile pour vous faire voir que finalement, il y a peut-être un terrain également très intéressant à exploiter. Je vous ai également fait des cours sur l'aspect biomimétisme et bio-inspiration pendant les premières leçons. Et je vous ai parlé essentiellement de luminescence, de fluorescence, en fait, dans ce cours, enfin, dans la première partie du cours. Il y aurait peut-être à aller regarder également du côté des systèmes qui sont bioluminescents, hein, pour éventuellement éclairer certaines de nos lanternes. Vous voyez, tous ces systèmes-là émettent de la lumière dans des conditions, je dirais, de grande profondeur. C'est des systèmes qui sont connus pour leurs propriétés de bioluminescence marine. Donc, j'arrive donc à la fin de cet exposé sur la photonique pour éclairer et puis pour, je dirais, cibler, pour suivre en fait les évolutions de matériaux biologiques, de tumeurs, etc. Et donc, je voudrais simplement vous présenter le Matthias Fink, donc, qui va faire le séminaire suite à ce cours. Donc, en fait, c'est ce choix, d'une part, parce qu'on a la chance d'avoir Matthias Fink, qui est quelqu'un d'illustrement connu dans le domaine de l'acoustique, et en particulier, pourquoi ce choix? D'une part, parce que vous allez le voir, ça va être très différent, parce que ça va être de la physique, mais c'est également une facette qui va être très, très complémentaire par rapport à tout ce que je vous ai raconté pendant 6 leçons, qui était plus centré sur la construction des matériaux, sur la chimie des matériaux. Alors donc, Matthias Fink est professeur à l'ESPCI ParisTech. Il est directeur de l'Institut Langevin Ondes et Images. Et donc, c'est quelqu'un de très connu dans la communauté, à la fois des physiciens, des gens de l'imagerie, de la biologie, mais également des chimistes. Alors donc, je ne vous lis pas la liste des distinctions et de prix. Mais bon, donc, nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir Matthias Fink comme séminariste juste après mon cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va se donner quelques minutes de break et ensuite on écoutera tous ensemble Matthias Fink.